Et nous nous retrouvons pour une fin de saison. Et on peut toujours jouer la première place. En espérant faire soit tomber le Bayern. Non, faire tomber le Wolfsburg ou le Dortmund. On joue là tout de suite. Si je gagne pas un des deux derniers matchs, c'est mort. Bayern va nous prendre la troisième place. À moins que le Bayern. Avant que ne débute ce match très attendu, la caméra qui s'attarde sur celui qui pour l'instant occupe la tête du classement des buteurs, Anthony et qui va tout faire pour Modeste. Marquer encore une fois aujourd'hui. Bienvenue à tous, bienvenue Pierre. Il a dit pour la pluie, hein. Oui, car je suis très fragile de la tête. Et vu le temps Hervé, je n'ai pas vraiment le choix. Ouais, toi, vous avez pris Dortmund, hein. Un gros match. Hein. Et pour cette rencontre, nous le problème, c'est pas que c'est Dortmund. Le problème, c'est que. Les joueurs de l'équipe du FC Cologne. Il va pas falloir laisser s'emporter. Pour cette équipe, ah, j'ai fait une place de merde. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais. Là, on peut viser la première place. Ça dépend. Non, au moins, moi, je vise la troisième place pour la Ligue des Champions. Côté tactique, l'équipe va évoluer en 4-5-1. Depuis qu'on lui a dit pour la Ligue des Champions, je pense que ça. Pour l'attaquant de pointe qui peut courir énormément et jamais toucher le ballon. Anthony Modeste. Yes! Oh, le but, l'ouverture du score! L'ouverture du score déjà! Voilà, Pierre Ménès l'avait dit, il va marquer un but aujourd'hui. Voilà une équipe qui a l'air pressée de gagner aujourd'hui. Ballon qui rentre, le gardien l'avait touché pourtant. J'ai le but de la tête, hein. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Allez, fausse. De la D. Faut pas tenir compte de ce but. Ce but, ce sera si peut-être le, pas. Le classement, Pierre, on voit qu'aucune de ces deux équipes ne sera sacrée championne aujourd'hui. Non. Mais que le match du jour sera peut-être quand même décisif dans la course au titre. Je pense que les joueurs savent que c'est avant tout un match à ne pas perdre ce soir. Ouh, je vais faire une connerie. À l'attention, à l'éventuelle contre-attaque. Très bien, marque un deuxième but, sérieux. Donne-moi le ballon, donne-moi le ballon. Oh, c'est la merde, c'est la merde. Sancho. Corner pour le match, c'est... Ah, le numéro 7, il se met là, et s'il font des corners devant, ah, hop tiré, le corner de Reus. Je me suis fait marquer dans les buts. Oh, c'est juste à côté. Quel... Ah non, le défenseur est bienvenu, c'est obligé le tireur à précipiter son geste. Un petit peu précis sur ce ballon. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Là, je ne mets même pas ultra défensif ou ultra... Ça. Ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre le bon moment pour tenter une percée. Le putain, oh putain, oh putain, oh putain. Un centre et au bout du compte, pas de danger. Ouais, va peut-être pas falloir marquer qu'un but dans ce match pour être un peu libre. Marcel Risseux. Choisis la frappe. Oh dommage. Ouais, on a cru que ça allait rentrer, mais ça passe quelques centimètres. On pourra pas être sacré champion là parce qu'on a 55 points maximum. Sancho. C'est bien sûr on gagne. Parce que j'espère fortement quoi. Ouais, non, on va pas pouvoir laisser partir des points comme ça. Hein. En fou, si je perds, je recommence. Non, c'est ça, non, c'est pas loyal ça. Ouais! Monsieur, non, non, c'est qui hache. Non, pas comme ça. Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Le tir. Corner et la possibilité pour cette équipe de revenir à hauteur de son adversaire. Le corner de Guerrero, jolie trajectoire. Allez, il peut égaliser là. Ah mais on peut dire que ça a été chaud hein, pour la défense. Marco Reus. Qui vient s'écraser sur le poteau. Putain, c'est chaud, il peut flipper, c'est con, putain. Avec cette pluie, le jeu va peut-être être accéléré un petit peu. Oui, mais non, il y avait un espace, il l'a vu. Ah, j'ai pas fait pas ça, j'avais pas vu qu'il y avait. Achraf Hakimi. Achraf Hakimi.
de l'année. Ah, moi j'attends FIFA 22 bah, et avoir la PS5 touche. Déjà pour acheter un nouveau FIFA, parce que FIFA c'est tous les mêmes. Hein. Ah, bonne récupération. Moi je pense, on va faire juste une mise ce jour payante. Voilà quoi. Très bon contrôle, il va pouvoir enchaîner. Le Borussia qui va peut-être pousser pour tenter de marquer avant la mi-temps, toujours 0-0. Oh putain. Ah, c'est un ballon qui est rendu à l'adversaire. Non, vous marquez pas. Vous marquez pas, vous avez pas le droit. Oh, je vous avais interdit. Putain. Ouais, ouais, les joueurs ont su créer le danger et profiter d'un petit peu de suffisance peut-être dans le camp d'en face. Bon, là au moins comme ça on pourra. Et ils égalisent donc un but partout. Ah, c'est bien mené ça. Marcel Risseau. Ah, mais quel con, pourquoi je suis pas tiré avec ce dégagement. Il y aura 2 minutes de temps additionnel, ce n'est pas énorme. Allez, donne-moi le ballon. Ou siffle. Siffle. Ça y est, c'est la mi-temps. Si on a le coup d'envoi, on gagne. Eh merde. Allez, retour de Modeste, la merci d'avoir marqué la 8ème minute. Ça va être chaud. Vitzel. Moi, je vais faire entrer du sang-frais à la mi-temps. Gonzalo Higuain. Ouais, le tacle, mais le ballon est perdu. Cosiello. Ah, ouais, c'est bien fait ça. Mais non, mais pas à lui. Non, elle a été interceptée cette passe. Ah, le gardien qui dégage avec autorité. Mais non, mais monsieur. Bonne prestation de ce joueur dans cette première période. Mais non, mais monsieur, première période pour lui. Alors qu'il a dit comme d'autres fois. On est derrière, s'il fait passe. On est derrière, s'il fait passe. Heureusement qu'il n'a pas fait passe. Ouais, bonne interception. Il est sorti de nulle part. Il a jailli. Cosiello. On va peut-être assister à une contre-attaque. Ouais, la passe n'arrivera pas à mais non. Et monsieur. Alors qu'un changement a été demandé, a priori. Ce sera pour le prochain arrêt de jeu. Putain. Tout va quand même pas jouer sur le dernier match, quand même. Tout va pas jouer sur le dernier match, quand même. Tout va. Il va arrêter de se répéter, il a promis de répéter. Ouais, sans doute une mauvaise décision que de prendre ce tir lointain. Et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Anthony Modeste. Mais non. Marcel Risseux. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Oh, mais j'avais fait. Non, j'étais tout seul. Non, moi j'ai fait passe à mon adversaire. Sancho. Mandel Higuain. Marco Reus. Non. Interdit. Bon oh centre, le... ouais, faute. Évidente. Ah oui, faute. Et nous aussi, on va faire les remplacements. Oulala, 3 changements d'un coup. Ça, c'est plutôt rare. Anthony Modeste. Johannes Geis. Ils font chier d'avoir égalisé aussi. Alex Teres. Kagawa. Mahmoud Dahoud. C'est pas de monde aussi. Nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Götze. Ah, donne-moi le ballon. Witzel. Il perd le ballon. Ouais, il vilaine passe directement à l'adversaire. Allez, il faut le mettre. Ouais, bien joué, Mario Götze dans le trou. Est-ce qu'il va centrer? Kakawa. Bah, on va voir la balle. Ah, ça fait bien, ça circule bien, ça fait courir l'adversaire. Anthony Modeste. Terod.
Johannes Geis. Un bon ballon d'attaque. La frappe. Presque pas loin, mais ça n'inquiétera pas le gardien au final. Ah, c'est dommage parce que c'était un ballon important. Kakawa. Sancho. Ah, il enchaîne les bonnes passes. Je crois que tout va jouer lors de ce dernier match de championnat. Ouais, bien joué, Mario Götze dans le trou. Et le gardien qui s'empare du ballon. Essayer de vite relancer son équipe. Allez, pour relancer son équipe maintenant. Attention de prendre l'avantage. Allez. Oh, il est partout, le gars. Putain. C'est le danger qui s'éloigne. Oh, la défense a eu chaud. Le quatrième arbitre qui indique qu'il y aura 2 minutes de temps additionnel. La passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. Putain, ça va chaud au dernier match. De toute façon, il fallait que je fasse tomber une des deux équipes. Soit le tout dernier match de la saison, comme Wolfsburg ou Wolfsten, ou je ne sais plus là, ou Borussia Dortmund. J'ai pris un point Borussia Dortmund déjà. Ça va être chaud, bordel. Pérou, dégage. Et pouvons-nous remonter déjà 53, 54, 55, 56. Est-ce que ça peut jouer sur championnat ou c'est déjà mort? Est-ce que c'est pas contre le Wanderers de Brême? Ça fait 54, 55, 56. Ça fait 56 points en espérant que le Bayern y perde. Contre qui joue le Bayern? Je ne sais pas. Mais j'espère que j'aurai l'info but. Serré jusqu'au dernier match de la saison quand même. On peut avoir l'info du Bayern, s'il vous plaît. Aïe, 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 c'est chaud. Ça va être chaud jusqu'au bout pour la troisième place, sérieux. Si je marque là, je perds. Si je marque un but, je perds. C'est bon. Avant que ne débute ce match très attendu, la caméra qui s'attarde sur celui qui pour l'instant occupe la tête du classement des buteurs et qui... Au moins on aurait gagné le classement de la tête des buteurs. Marqué encore une fois aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Pierre. Bonjour Hervé. Bonjour à tous. Je suis content d'être à vos côtés pour ce match. Allez Bayern. Normalement je passe devant le Bayern si je gagne ce match. Le 11 de départ du Werder de Brême. Allez, l'occasion peut-être. Je vais prendre un but là direct. Allez, mais non. Oui, allez, faut jouer, il faut se prendre en bon avant. Ils enchaînent les passes. Le décalage qui va sans doute venir. Ah, dommage. Sortie du gardien. Ouais, fallait y aller sur ce ballon. Hein. Où le gardien? Regardez, cette rencontre est extrêmement attendue parce qu'elle oppose deux prétendants. Ah oui, la bonne passe. Non. Allez, on s'est donné un espace. Ah, bien joué le gardien. Ouais, on joue la quatrième place, voire la troisième place. Il n'a pas vraiment cherché la surface sur ce corner. C'est dégagé. Classe. Elle ne tombe pas là. Jonas Hofmann. En dehors de Brême, je ne sais pas s'ils sont bons ou pas. Quoi. En fait, c'est ça le problème. Anthony Modeste. Ah, c'est pas fini. Ils peuvent peut-être partir en contre. Ah,
Ah non, c'est un adversaire qui récupère cette passe. L'occasion pour prendre. Ah, je me suis précipité. Oh là 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 là, on a failli assister au premier but dans ce match. Avec un petit peu plus de lucidité dans le dernier geste, c'était bon, tu l'avais ton 1-0. Après, je vais décompresser. Sur du près que sur les vampires. Hein, vampire. Ah si, vampire, j'ai envie de soigner mes mecs qui sont un peu malades là. Très sainement à faire. Qui n'avait fait pas mieux que le nul à domicile lors de son dernier match. Ouais, contre le Borussia Dortmund. Oui, un nul à 1, c'est frustrant et préparons-nous un autre nul, Hervé. Non, non, moi c'est une victoire ou c'est la mort. Hein. Ah oui, excellent contrôle. Moi, je joue la Ligue des Champions, moi. Hein. C'est pas les couilles. Cosiello. Hein. Ouais. Et en lui la balle. Merson. De côté, il faut peut-être que je marque en seconde mi-temps, ça serait mieux, mais je remonte le. On s'approche de la zone de vérité. Ouais, pas belle cette passe, hein. C'est cadeau. Non, elle est interceptée cette passe. Ça, là, je commence à moins bien jouer. Commence à être la pression. Attention, il peut centrer là. Et il dégage. Je me prends un but, ça va. Johannes Gaïs. Ça va être chaud pour monter. Comment pas je me prenne deux buts. Heureusement que j'ai gagné fait match nul tout à l'heure. Cosiello. Allez, dans le couloir. Oui, il va centrer. Choisis la frappe. Ah la barre le coup de colle hors jeu. Ok, pas grave. On va gagner ce match, on s'en bat les couilles. On joue la Champions League la semaine prochaine, le mois prochain, la saison prochaine. Rendu à l'adversaire. Terode. Cosiello. Johannes Gaïs. Il perd le ballon. Il éloigne le danger. En profondeur. Non mais arrête. Hors jeu, s'il y a hors jeu. Putain, il y a toujours. Ah, je comprends pas, ils sont toujours hors jeu devant les joueurs. Là, ils sont hors jeu derrière, il y aura problème. Hein. Cosiello. Là, je comprends pas, je suis hors jeu quand je suis devant tous les joueurs. Je comprends. Allez, à deux, il y a du soutien derrière lui. Ouais, bel exploit individuel, attention à lui. Yes. Voilà, peut-être le but qui me qualifie pour la Ligue des Champions. Forcément une réaction du côté de. Heureusement, j'ai fait jouer à la place d'Atlante, toi. Il va falloir voir comment tout ça va être géré maintenant. On va être vite fixé, Pierre. Important ce but juste avant la mi-temps. Importance capitale. Très même. Important parce que ça fait sortir la pression. Surtout, ça change complètement la donne pour la grande période. Allez, c'est siffle. Oui, je me sors du siffle. On est à une mi-temps de jouer la Ligue des Champions. Valentin Rogier. En espérant que le Bayern, ils c'était bien leur dernier match, le. Ils avaient joué tous leurs matchs, le Bayern, j'espère. Si le Bayern a joué tous leurs matchs, on est à ce moment du match en Ligue des Champions. C'est reparti ici. Si le Stockard m'a bien dit que c'était la troisième place et pas la deuxième. Hein. Surtout l'entraîneur avait dû rectifier là, les petites choses qui n'allaient normalement, pas en première période. On est deux. On est virtuellement. Anthony Modeste. Qualifié en Ligue des Champions. Oh oui, bien joué, le gardien à la parade. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Je vous annonce. Bon, Pierre, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il a été plutôt bon quand même au cours de ces 45 premières minutes. Hein. Il va donner l'avantage à son équipe juste avant la pause. Ça va le mettre en confiance pour la seconde période. Anthony Modeste. Le tacle décisif. Anthony Modeste va-t-il terminer meilleur buteur de la Ligue Bundesliga? On l'espère. Dans un peu des. Normalement, je ne sais pas si ça donne de l'argent qui termine meilleur buteur. Ah ouais, c'est bien fait ça. Oh c'est putain, je me suis enflammé. Je voulais tirer. Tiens, fallait tirer. Pas le temps. Ça, j'ai pas envie d'être mercredi prochain, je te jure. Heureusement, ils ne font pas de piqûre. C'est déjà pas mal. Heureusement que c'est. C'est en train d'affronter la vie là. Ils ne ressemblent pas les couilles. Anthony Modeste. Alors qu'on arrive au deux tiers de cette rencontre. Plus qu'une demi-heure à jouer.
Oui, il y avait un espace, il l'a vu. J'essaie de faire marquer Anthony Modeste. Ouais, ça part très loin avec ce dégagement. Meilleur but du championnat. Ah, l'entraîneur il ose en tout cas. Si. C'est plutôt bon signe pour la fin de match. Je suis pas en Ligue des Champions l'année prochaine, je pars. L'équipe qui joue au haut du tableau, Pierre. Ouais, non, c'est vrai qu'elle fait de bons résultats. Son classement est mérité. Hein. De ce club. C'est finalement un ballon perdu. Ah, je vais rester au Cologne pour une deuxième saison, juste pour le petit jeune. Et la Ligue des Champions. Hein. Et jouer. À part au budget, on a intérêt à me donner du budget de début de saison. Hein, parce que là, c'est que 5 millions. Je vais terminer. Oh merde. J'avais oublié qu'il fallait faire les passes. Il récupère le ballon. On appelle le football. 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Entraîneur de l'équipe locale qui va faire entrer du 109. Oui, on va voir si ces changements vont entraîner un repositionnement tactique. Oh putain. Sur la frappe. Non, pas corner, il y a eu. Et voilà, le but du sur corner. Comme quoi, ça se joue à pas grand chose parfois. Supporter qui verrait bien une égalisation sur ce corner. Ouais, mais se tait quoi. C'est complètement manqué ça. Cette distance, on se demande comment il fait. Les spectateurs, on les emmerde. S'il n'y a pas eu un faux rebond ou un truc dans le genre. Il n'y a pas de faux rebond à FIFA, il n'y a jamais de faux rebond à FIFA. C'est simple. Arrête de dire des conneries, Pierre Ménès. Des faux rebonds à FIFA, depuis quand tu vois ça? Benoît Schmitt. Ah ouais, ça c'est bien, sur l'aile. Le centre, il a vu ses coéquipiers. Et ouais, tes commandes, vite. Appuyez sur OK. Allez, on est à 10 minutes de la Ligue des Champions. Rien n'est perdu, Pierre. On va peut-être terminer 2 ou 3ème en espérant que le Bayern se souvienne le dernier match, le dernier, ou qu'il le perde. Attention, ça peut être dangereux. Oh putain! C'est bien, gardien. Hop. Le petit dribble. Hop, tu l'avais pas vu, celle-là. Benoît Schmitt. Ah, c'est que je l'avais vu. Ah bon, un petit but d'Anthony Modeste. Ah, on a déjà vu. 500, un tir. Ouais, très beau geste défensif. Il a évité la catastrophe. Ouais, bah la catastrophe, tu vas bientôt la voir. Ça va être le but de l'égalisation, l'élimination et tout et tout et tout. Non, mais non. Mais monsieur, c'est la dernière action. Ils doivent marquer. Je cherche une. Allez, dans la boîte, il y a du monde. Ah, c'est pour personne. Avec un tir. Dégage, fais le grand dégagement que tu sais faire. Voilà. Et voilà, c'est fini. Nous qualifierons nos tues. Nous qualifierons nos tues. Avec ce 1-0 de merde. Pour la Ligue des Champions. Attention. Pression. T'as là, j'ai de pression. Allez, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît, je te donne 2 kiri. Hein? Quoi? Attends. C'était pas le dernier match en fait. Heureusement. Donc, attendez. Calcule bien, nous. Attends. Non, c'est ça. Si je calcule bien, est-ce que faut faire quoi pour bien faire gagner? Ça nous ferait 57, 58, 59 points. En faisant perdre les premiers, ça ferait 59 points. Ça va être chaud jusqu'au bout, quoi. Ça va être chaud jusqu'au bout. Ça va être chaud jusqu'au bout, rien à foutre. Ouais, je vais jusqu'au bout. Moi j'ai qu'il faut. On a le brem. Non, ça bat les couilles là. On a rien, on a aucun match important quoi. Putain, fais chier. Allez, on s'en fout. On va jouer ce match en espérant encore gagner. Mais chaud les. Ouah, cacao. La pression. Nous foutent la pression jusqu'au bout, sérieux. Nous foutent la pression jusqu'au bout, jusqu'au dernier match, ça va jouer.
Si je le marque, je gagne. Yes. Allez. Les joueurs qui s'échauffent. Des caméras qui sont bien sûr déjà braquées sur le leader du classement des buteurs. Anthony... Il aimerait bien ajouter quelques unités à son compteur personnel, on l'imagine aujourd'hui. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce match. Très heureux aussi, bien sûr. Putain, en plus, il y a le soleil, comme par hasard. Moi, je suis le plus important. C'est réciproque, Hervé. Bonjour, bonjour à tous. Ils nous foutent le soleil. Et pour cette rencontre, nous allons suivre le FC Cologne face à Wolfsburg. Faut Anthony Modeste, tu marques sur tu marques là. Hein. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare. Il prend sa chance. Là, j'y vois rien. Surtout en vert comme ça, on n'y voilà. Voit pas grand chose. Hein. Attends, je vais au moins éteindre ma lumière à moi. Voilà, on éteint le lampadaire. L'enjeu de ce match, Pierre, on ah, j'y vois un peu mieux. De place pour l'UEFA Europa League. Ouais, bah, l'Europa League, j'en ai rien à foutre. Elle est pour moi, l'Europa League. C'est moyen à cause de la pression. Elle est pour moi, l'Europa League. Rien à foutre. Elle est pour moi, l'Europa League. Si on regarde le classement, Pierre, on voit qu'aucune de ces deux équipes ne sera sacrée championne aujourd'hui. Mais que le match du jour sera peut-être quand même décisif dans la course. Vincent Cosier est largement à côté. Hop. Alors je sais, Pierre, que vous allez suivre deux joueurs en particulier dans ce match. J'ai hâte de les... Anthony Modeste. C'est touché hein, par le défenseur. Ce sera un corner. Allez, fais-moi le art de magique. Ce corner. Ouais, c'était dangereux. T'as rien à foutre, je frappe. Mais la défense, c'est... Oh là là, dommage. La barre, encore le retour de la barre. Pas passé loin. Oh non, ouais, non, la non. Attention à la frappe. Et voilà, il est l'ouverture du score dans cette rencontre. Bon, bah, c'est la merde. Avant qu'on égalise direct, quoi. Forcément, une réaction du côté d'en face. Mais il va falloir voir comment tout ça va être géré maintenant. On va être vite fixé, Pierre. On voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse, qu'ils prennent leur temps. Johannes Geis. Ouais, la meilleure solution c'était de dégager. Il a eu raison. Cosiello. Eh non, tu nous fais quoi? Vincent Cosiello. Perrod. Ouais, il a mal lu le jeu. On est dans le jeu. C'est un hors-jeu. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire hein, qui récupère. Mais non! Putain de soleil. Tony Villena, c'est la passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. Marcel Risseux. Perrod. Cosiello. Je peux rien faire avec le soleil, je vois rien. Binder. Camacho. T'as jeté deux jeux de ce côté le pour pouvoir. Vers ses coéquipiers. Ah ouais, les mains sur du gardien. Benoît Schmitz. Dans les cages, bordel. Il a réagi à une vitesse supersonique, il fallait le faire. Allez, le corner est tiré. George Emery. Non mais non. Oh la barre et ça continue. Les barres. Ils sont pas vernis ces joueurs. Avec un peu de réussite, ils pouvaient égaliser là-dessus. Les corners, ça va un peu mieux avec le R2, mais on fait les barres. Camacho. Oh, que c'est bien donné ça. Et cela ne donnera rien du tout. Tommy Villena. Thiago Silva. Ouh, il est sous pression, il est en danger. Mais non, mais. Thiago Silva. Perrod.
2 minutes de temps additionnel, c'est ce qu'indique l'arbitre. Ah bah c'est mort quoi. C'est mort pour l'égalisation quoi. Un bon ballon qui va peut-être retrouver le preneur. Et ce centre qui est capté par le gardien. Bon, vu qu'on a un peu moins de soleil là, on va peut-être en marquer deux quoi. De toute façon, il faut ça, hein. Obligé. Hein. J'ai pas le coup de voir. Et je sais pas si le soleil il va mieux de ce côté. Je crois. Et pour plus facile, c'est Wolfsburg qui mène. Ouais, mais ils vont pas mener longtemps. Il faut être costaud hein, pour protéger son ballon comme il donne-moi la balle, donne-moi la balle, donne-moi la balle. Le truc qui siffle et accorde le coup franc. Non, reste bon. Ruma. Paul Dubola. Ouais, il donne de l'air à son équipe. Johannes Geis. Bonne prestation de ce joueur dans cette première période. Ah non, pas bonne, pas bonne, pas bonne. Lui, son équipe est devant à la pause avec ce but marqué juste avant la mi-temps. Wunder. Ah, il pouvait faire le trou hein, sur cette occasion. Ah, il a peut-être trop réfléchi avant de prendre sa chance. Hein. C'est vu marqué avant de frapper, sans doute. Un petit peu piégé, hein, sous pression, là. Ils attendent une ouverture hein, dans la défense. Anthony Modeste. Oui. Le but qui remet les deux équipes à égalité. Et ben voilà, on revient au point de départ. Allez, en fait. On peut toujours y croire. Je l'ai dit, ce côté, il va mieux pour jouer. Il qualifie virtuellement son équipe pour l'Euroleague avec ce but. Excellente opération. Quoi? Pour l'instant, évidemment. Tu me qualifies pour l'Euroleague? J'ai pas envie de le croire, le truc gagné. Ah, il me qualifie pour l'Euroleague alors j'aurais assez de points. Pour jouer le relais, même en perdant, en gagnant pas ce match tout pour le moment, comme ça. Les joueurs sont qualifiés hein, pour la prochaine Europa League. Allez, mais je préfère pas trop le croire, cet enculé, parce que. Ouais, qui nous raconte, Carmenez. Choisis la frappe. Non, c'est une occasion de prendre l'avantage qui s'envole. Comment ça, Anthony Modeste a marqué le but qui nous qualifie en Europa League. Sérieux? Cosiello. Perrod. Johannes Geis. Allez, il faut centrer. Et dégagement de la défense. Pas l'avoir. Cosiello. Oh, la bonne inspiration sur cette passe. Avec un tir, il repousse. Et oui, il doit être plus malin, plus patient avant de faire son appel. Bon, attends, j'ai vu un truc. Je l'ai jamais vu dans FIFA. Un ramasseur de balles ici. Ah, j'ai cru que c'était un arbitre, mais en fait, c'est un ramasseur de balles. On a pu lire récemment dans la presse que Chelsea aurait fait une offre pour un transfert. Oui, mais personnellement, j'attends de voir ce qui va se passer dans les prochains jours avant de me prononcer. Il peut se passer tellement de choses. Allez, dans la boîte, il y a du monde. Bah, t'étais pas Pjanic qu'on vient de voir là, qui était pour la période des transferts là. Les visiteurs vont faire rentrer un petit peu de son œuf. Bah, ce serait pas mal, oui. Johannes Geis, Cosiello. Ah, il lui rend, première intention. Ça vient de la. Ouais, la frappe lointaine. Non, pas loin. Très bien joué. Bon. Ah, il a pas cadré. Je sais pas si c'est pas trompé Pierre Ménez là, mais j'espère pas. Hein, parce que là, je joue l'Europa League, il m'a dit. Hein. Une équipe qui joue le haut du tableau, Pierre. Ouais, non, c'est vrai qu'elle fait. Oh, alors qu'un changement a été demandé, a priori. Ce sera pour le prochain arrêt de jeu. C'est finalement un ballon perdu. Le temps qui file dans ah, ce j'ai match, tiré parce que je n'avais pas lui prendre la balle, cet enculé. Et le ballon dans les bras du gardien. Anthony Modeste nous a-t-il quali. Pardon ? Une retournée à ici. Oh, il a sauvé une occasion importante. Il nous reste quelques 8 minutes à jouer dans cette rencontre. Et un peu de chance, un peu de chance, un peu de chance. Une d'air. La passe en profondeur. Ouais, il élimine son vis-à-vis. De chance, un peu de chance, on n'a jamais de la chance, hein, je vous rappelle. Hein.
Et cette fois-ci, c'est le gardien qui s'interpose. Le joueur est en confiance, il a déjà marqué, il a raison de tenter. Hein. Un changement pire dans l'équipe de Wolfsburg. On va voir si ça change quelque chose au score ou à la physionomie du match. Allez, ils attaquent, c'est le match hein, qui se joue. Franco servi. Allez, il lève la tête pour le centre. Tranquillement hein, pour le gardien, ce centre. Belle prise de balle. À savoir, c'est ce but, comme Pierre Ménès ou l'autre nous a dit, que ça nous permettait de jouer à la Ligue des Champions. Mais j'y crois en moyen, c'est mort. On finit quatrième. Mais bon, ça a joué de suspense jusqu'au dernier match. Va-t-on jouer à la Ligue des Champions? Eh ben non. Il nous a dit qu'on allait jouer le Falix, cet enculé là. Mais il y a combien de matchs à ce peu là? Ça arrête plus. On va s'arrêter là, ça s'arrête plus, ça s'arrête plus, ça s'arrête plus. On a encore nos chances. Allez, allez, on peut y croire.